Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicle sur la map Shinonuma. Donc avant de vous présenter ce glitch, je tiens à vous dire que c'est une exclusivité française, même si certains américains l'ont reprise. Vous pouvez regarder dans leur description, ils ont mis la source et la source elle est française. Donc je tiens à faire une très très grosse dédicace à Zombie Kills. Donc je mettrai sa chaîne en description, donc n'hésitez pas à aller le soutenir parce que les Français qui trouvent des glitchs sont très rares. Donc soutenez un maximum les glitchers français. Donc pour le soutenir, n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne YouTube. Je mettrai son lien de sa chaîne en description, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça lui ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui soutiendront les glitchers français. Donc voilà. Alors première chose qu'il faudra pour ce glitch, c'est d'avoir le pistolet MK2 en sa possession. Comment ça se fait que j'ai trois armes? Ah non, ça va, j'ai deux armes. Ouais, c'était l'animateur. Il faudra avoir le pistolet laser marque 2 pour pouvoir réussir ce glitch. Et en fait, il va falloir se poster ici, sur cette petite cette petite plancher. Donc voilà, c'est assez délicat à le faire. C'est possible que vous y arrivez du premier coup, mais voilà, moi j'ai du mal à le faire, mais je vous montre quand même. Surtout que c'est une exclusivité française, donc je voulais vraiment vous la montrer. Donc voilà. Alors, il va falloir se mettre ici, genre au bord. Et en sautant, vous allez tirer en arrière. Vous allez tirer et ça va vous propulser en arrière. Parce que quand vous tirez avec le pistolet Mark 2, ça fait pistolet laser Mark 2, ça vous fait reculer. Donc là, bah, en fait, le but, c'est d'arriver à se poser sur la planche. Donc je vais essayer plusieurs fois. Hein. Donc moi ce que je vous conseille c'est de reculer, d'attendre que vous descendiez d'une marque genre, et après ben vous sautez. Enfin vous sautez et vous tirez. Voilà, j'ai réussi. Donc vous avez vu, j'ai utilisé quand même pas mal de munitions. Mais bon voilà, ça vaut peut-être le coup. Regardez, après ben, vous prenez trois armes et vous allez voir les zombies vont tous pile up devant vous juste ici. Donc surtout, ne tirez plus de balles avec votre pistolet laser par là. Parce que si vous tirez des balles de pistolet laser par là, et ben ça va vous faire retomber ici derrière. Donc voilà. Donc là je vais attendre pour passer les manches et vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là je vais attendre le dernier zombie. Donc voilà, j'ai passé la manche et regardez, le zombie arrive et il va se mettre ici. Donc si vous vous mettez là, il va venir, il va vous frapper. Hein, regardez, vous voyez. Donc il faut vraiment se mettre ici. Donc si vous mettez au bord là, ça va. Donc il y a peut-être moyen de se mettre à 3. À 4, ça va être peut-être être chaud, mais c'est faisable aussi, il faudrait essayer. Donc là, vous voyez, ils se mettent là, donc ils peuvent pas me toucher. Donc il y a moyen de se mettre à 4, je pense. Donc après, c'est à vous de tester. Moi, je vais passer les manches pour vous montrer qu'avec les chiens, ça fonctionne aussi. Et en plus de ça, regardez, vous pouvez même les cutter. Donc voilà, c'est vraiment cheaté. Vous pouvez les cutter manches, dans les petites manches, donc ça peut aider. Par contre, vous pouvez pas ramasser les bonus. Donc voilà, c'est la manche des chiens. Et vous allez voir que même les chiens ne peuvent pas vous tuer. Regardez. Voilà. Et ils se mettent derrière la pancarte. Enfin, derrière la palette. Donc après, ben, vous n'avez plus qu'à les tuer en sautant. Vous pouvez même le tuer comme ça. Mais il faut faire attention. Parce que sinon, vous risquez de tomber. Avec votre pistolet laser. Voilà, ben moi je suis tombé. Donc je vais essayer de remonter pour voir si j'y arrive. Si j'y arrive. Parce que j'ai pensé à un petit truc. Peut-être que si on tire genre vers le bas, comme ça, on saute et on tire, ça nous propulse plus loin. Oh. Enfoiré. Mais merde, j'ai pris les munitions. J'aurais pas mon chargeur. Donc voilà, il me reste 63 balles. Je vais me mettre invisible. Il me reste 63 balles, donc on va bien voir si j'arrive à réussir en 63 balles. Voilà, j'ai essayé avec mes 63 balles. J'ai pas réussi à le refaire une deuxième fois parce que c'est vraiment très chaud à réaliser. Franchement, le saut, j'arrive pas à comprendre comment bien le faire. J'arrive pas à prendre des points de repère. J'ai vraiment du mal pour ce glitch. Donc voilà, je saurais pas plus vous aider. Donc je mettrai la première fois, ben, quand j'ai réussi, je le mettrai en ralenti, comme ça vous pourrez le revoir et voir peut-être prendre des points de repère en fonction de ce que j'ai fait.
Donc voilà. Si jamais vous avez une petite technique pour réussir plus facilement, bah, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.